Laurent, merci d'être avec nous pour nous présenter cette belle nouveauté avec l'AE30 Roland. Donc toi, tu as eu déjà dans le passé un AE10, puisque tu étais venu faire une démo pour nous avec de nombreux morceaux. Pour toi, quelles sont les principales différences par rapport à l'AE10? Alors, par rapport à l'AE10, déjà, on peut noter que l'instrument a une nouvelle forme. Roland a travaillé sur le design, qui est très... très élégant, je trouve. Oui, avec des matériaux plus nobles. Hein. Voilà, des matériaux plus nobles. La différence notoire va être au niveau déjà de l'écran, avec tous les affichages de paramètres, on va dire, principaux et accessibles immédiatement. Oui, c'est beaucoup plus pratique hein, quand il est question d'aller chercher les sons, fouiller dans les menus, etc. Voilà, exactement. On va retrouver, alors, ce qui est très pratique pour un instrumentiste, on va dire, qui joue de la trompette, du saxo, c'est qu'on va pouvoir transposer immédiatement l'AE30. Je vais pouvoir mettre la molette sur moins un ton si je veux jouer en si bémol, je vais pouvoir le mettre en mi bémol. Donc ça, c'est un accès direct qui est très pratique. Ensuite, on va avoir la sélection des catégories d'instruments. Tout à fait. Donc ça, très pratique sur scène ou pour chercher si on veut un son ethnique, si on veut des cuivres, si on veut des cordes, si on veut des percussions. Absolument. On a même des percussions à l'intérieur. Donc ces deux molettes, très pratiques. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans des menus, de chercher. Voilà. Oui, c'est de l'accès direct, de toute façon, c'est voilà. Ça la philosophie. Avoir un instrument où on peut aller récupérer des éléments immédiatement pour pouvoir jouer de suite. Voilà. Plug and play, si on était dans le domaine de l'informatique. C'est ça. Hein, et puis Roland a baptisé donc, cet aérophone Pro. Donc c'est pour ça qu'on a les accès directs. Et c'est vraiment un instrument fait pour jouer aussi sur scène. Hein. Super son au casque, tu me disais tout à l'heure. Un super son au casque. Alors, ce que moi, j'ai fait très souvent, c'est que j'ai connecté l'AE30 via Bluetooth. Tout à fait. Sur mon téléphone, avec mes playbacks sur le téléphone, enfin, dans le téléphone. Et au casque, c'est vraiment fabuleux. Un son extraordinaire. Des prises MIDI qui t'ont permis d'aller piloter les SNT, etc., etc. Voilà, tout à fait. Alors, MIDI out est une sortie qui permet de l'utiliser comme contrôleur. Absolument. Comme son petit frère, l'AE10. Absolument, tout à fait. Et ensuite, on peut l'utiliser comme un expander, un module de son externe,
on va récupérer les sons qui sont de la série des Jupiter. Tout à et fait, des oui, Phantom. Puisque c'est le fameux moteur Zencore de chez Roland, tout donc à la fait. dernière technologie de son qui effectivement est apparue avec le Phantom, qui a été décliné sur le Jupiter, et aujourd'hui qui est le moteur que Roland veut mettre sur tous les instruments de haut de gamme, Tout à fait. qui a l'avantage d'être un moteur qui permet d'avoir beaucoup de nuances et de précision dans les sons. Tout à fait. Chose qui est aussi très agréable, c'est qu'on va pouvoir contrôler vraiment très précisément le souffle. On va pouvoir contrôler le mordant de l'anche, on va pouvoir contrôler la force du souffle, on va pouvoir paramétrer l'instrument. Si vraiment on est un saxophoniste à la base, on va pouvoir le paramétrer comme pour si c'était un saxophoniste qui jouait. Oui, puisque la première fois qu'on l'allume, on peut effectivement venir faire un calibrage Tout à fait. du capteur. Donc un capteur qui est très précis, hein, qui Oui. capte quand même beaucoup de choses, Ah oui. et qui permet encore une fois de venir s'approprier l'instrument et avoir, j'ai envie de dire, un instrument presque sur mesure finalement Tout par à rapport à fait. sa façon de jouer. Tout à fait. On peut vraiment se le paramétrer comme on veut. Il y a même une fonction où, si on n'est pas saxophoniste, on peut le paramétrer pour un autre instrumentiste avant. Tout à fait, ça c'est depuis la dernière mise à jour, Voilà, absolument. c'est ça. On sauvegarde ces réglages. Et donc ça, c'est très pratique. L'avantage aussi, bon, on a plus de 300 sons à l'intérieur, dans de nombreuses catégories. Il y a vraiment de quoi faire, ouais, Voilà. absolument. On peut se sauvegarder ces scènes, c'est-à-dire ces sons, dans des banques user, où là on va pouvoir faire tous ces réglages, affiner, transposer, tout ça on va pouvoir le mémoriser et ça sera accessible immédiatement. Et ensuite, on a une banque de favoris, où là on va pouvoir sauvegarder avec cette molette 12 scènes favorites, et là on a un accès direct. À ces 12 sonorités sur scène, c'est très Voilà, ce appréciable. que j'allais dire, encore une fois, l'idée c'est de pouvoir avoir accès directement aux éléments principaux sans aller fouiller dans la banque qui est colossale. Ça permet d'aller chercher, d'être très rapide Tout à fait. voilà, sur scène quand tu es entre deux morceaux ou autres. Ça évite les coupures et les latences, quoi. Tout à fait. Et ensuite, chose que j'ai particulièrement appréciée, Roland a pensé à mettre des pads. Donc où on peut déclencher des articulations, on va avoir des glissandos, on va avoir des saturations, on va pouvoir affecter en fait toute une palette de paramètres. On a un, deux boutons ici assignables, plus les 6 boutons qui Tout sont à sur fait, les côtés, absolument, les boutons latéraux, ouais, qui voilà, permettent qui de... sont assignables. Ici, on a un pad aussi dont on peut modifier la sensibilité. Où on va pouvoir affecter une saturation, des effets, voilà. Une molette de Une molette pitch. de pitch, là aussi paramétrable.
On peut la paramétrer du demi-ton jusqu'à une non, octave. C'est intéressant, voilà. Ça permet vraiment, encore une fois, d'apporter plus de vie à l'instrument. Tout à fait. Alors déjà, il y a de quoi faire avec le capteur, mais ça permet voilà, d'aller chercher d'autres contrôles. En plus, c'est du MIDI, donc c'est vrai que dès qu'on se branche avec un autre clavier, ça apporte toute une dimension qui est assez impressionnante. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment très pratique d'avoir tous ces réglages sous les doigts. Chose appréciable aussi, on peut jouer bien sûr, de façon autonome avec Donc il embarque 6 piles dans ce petit compartiment. Évidemment, le son est fabuleux au casque avec un système d'amplification. Maintenant, si on veut faire une petite session, travailler, Roland a pensé à mettre deux petits haut-parleurs. Donc c'est des haut-parleurs d'appoint. Hein, des haut-parleurs d'appoint. Ben, imagine, ils sont tout petits. Voilà. Mais bon, voilà, ça dépanne, ça peut toujours servir. Ça permet, si on veut musicien travailler. Musicien nomade, hein, tout à fait. C'est pour ça. Hein. Voilà. Donc l'instrument est vraiment très, très pratique de ce côté-là. Et alors, toi, quels sont les sons, en tout cas, que tu as préférés, tes coups de cœur? Alors moi, j'ai beaucoup aimé les sons ethniques. Il y a des sons fabuleux. J'ai découvert même en utilisant les boutons assignables des articulations qui permettent vraiment de se rapprocher de l'instrument originel. Moi, ce que j'ai apprécié comme son aussi, les synthés, évidemment, parce que c'est des sons qui viennent du Phantom, bien sûr. Du Jupiter, des sons un petit peu de légende. Ouais, dès que tu vas aller chercher des nappes, des gros sons. Voilà. C'est vrai que Roland est quand même connu pour ça. Voilà, c'est ça. Et tout de suite, ça amène une ambiance et un son qui est... Voilà. Quoi. Voilà. Il y a une très bonne dynamique. Quand on descend dans le grave, vraiment, c'est là, quoi. C'est présent comme son. Les cordes sont aussi bien. Enfin, voilà. Après, chacun trouvera... voilà. Ouais, c'est sûr que dans plus de 300 sons, il y a de quoi faire. Voilà, 300 sons, voilà. C'est vraiment très 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 bien d'avoir mis tous ces sons-là. Tu as connecté l'instrument, donc il y a plusieurs façons de connecter l'instrument, en Bluetooth bien sûr, mais aussi avec l'ordinateur. Roland a fait un logiciel spécifique. Voilà, on l'utilise en USB, le câble est fourni, tout comme la housse, je tiens à le préciser, une très belle housse de qualité. C'est vrai qu'elle est pratique et elle est solide. Voilà, pratique, solide et qui protège bien l'instrument. Et donc l'instrument est donc livré aussi avec le câble USB, on branche sur son PC. L'application est téléchargeable gratuitement sur Roland et à partir de l'application on va pouvoir gérer là vraiment en détail tous les paramètres de l'instrument, faire les réglages dans toutes ces scènes, affecter les effets, s'il faut transposer, on va pouvoir jouer sur tous les paramètres des timbres, donc c'est vraiment très pratique. Et ensuite, une fois qu'on a fait tous ces réglages, on les sauvegarde et on peut les renvoyer via USB dans l'instrument et c'est stocké dans la U30. En conclusion, donc, un instrument polyvalent, ouvert, puissant, transportable. Tout à fait. Je pense que qu'on soit flûtiste, saxophoniste, chacun, comme tu le disais tout à l'heure, peut y trouver son compte. Oui.
Et puis Laurent a eu la gentillesse pour nos clients, pour les possesseurs de la Silver Card, d'offrir tous les morceaux qu'il a enregistrés pour préparer cette démo. Donc que vous ayez envie de jouer sur le playback du Bruno Mars, de Gladiator ou tous les autres morceaux, vous pourrez les télécharger gratuitement sur notre site internet. Merci Laurent, et puis j'espère à bientôt pour une autre démo et présentation musicale de cet instrument ou d'une autre série. Avec plaisir Loïc, et puis à très bientôt.